La transfiguration, un évangile qui est une théophanie de la sainte Trinité, la sainte Trinité qui se manifeste et Jésus, vrai homme, euh, se révèle dans sa gloire de fils de Dieu. Mais les autres personnages qui assistent à cette transfiguration, il y a bien sûr le trio des trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, euh, choisis tout spécialement, mais euh, que l'on va retrouver à Gethsémani, à l'agonie de Jésus. Ce même trio et puis il y a Moïse, qui reçoit la loi divine, qui voit le buisson ardent, mais qui va devoir subir l'Exode. Et puis, il y a le grand prophète Élie, qui manifeste la force et la majesté de Dieu, mais qui fut persécuté par une femme, la reine Jézabel, et qui doit prendre la fuite. Bref, un évangile qui nous enseigne la divinité de Jésus, mais aussi son humanité sur la croix, le vendredi saint, ses souffrances, sa passion. Croix et transfiguration sont donc intimement liées. Croix et résurrection vont ensemble, et tout cela dans l'amour de Dieu qui nous sauve. Comme dit saint Augustin, que celui qui n'a jamais souffert se demande s'il a déjà aimé. Euh, à méditer pour notre vie chrétienne avec ses hauts et ses bas.